Et de patients en réanimation aurait tendance quant à lui à se stabiliser. L'inquiétude, toujours, mais cette fois du côté des pêcheurs. Boulogne-sur-Mer est à moins de 30 km du Royaume-Uni et ces pêcheurs arrivent donc rapidement dans les eaux britanniques. Or, trois mois après l'entrée en vigueur du Brexit, 80% d'entre eux n'ont toujours pas leur licence, le fameux CESA, pour continuer à y accéder. Ouais, c'est au poids, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ouais. À quelle heure t'arrives au poids? 8h20. J'arriverai sur le marché vers 2h. Salut, pa, ça va? Bon, il faut les filles, il n'y a plus de plastique, il n'y a pas de chiffon. Hein. Hop. Bah, une heure à attendre. Partez de Boulogne, Nico, il disait à Claire. Dans un quart d'heure, ok. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, j'ai déjà envie de partir, moi. Enfin, moi aussi. Hein. Enfin, Claire, quand elle se réveille au matin, s'il y a des jeunes, il faut 8 heures. Allez, pas beaucoup en avance. Si tu veux l'avoir en pleine possession de ses moyens, il faut la crier 2 heures avant. Mais ça sert à rien d'être 3 d'avance. C'est bien de se faire attendre. Ah, bah ouais, bah là, apparemment. Regarde, là, il sort tard, on dit rien. Non mais mets-les dans le camion, je vais récupérer. Ça va. Je vais récupérer ce soir. Il y a des bobards. Oh, qui dit des bobards? Super, à côté des bobards.
Cabillaud, il comment? Mais c'est pas un cabillaud. C'est un merlan. Ah, oh, on est les vendeuses. Ah bah non, mais j'ai vu que la queue. Ouais, vous allez aller en formation faire des stages par connaître un poisson. Oui, c'est toi une merlu, François. C'est beau. C'est beau, super. Elle dorée, Claire, tiens. À quelle heure? Quoi? Tu pars à quelle heure? 2 heures? Non, il arrive à la maison. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. On est parti. Allez, bonne nuit, les gars. Tout a été pêché ce matin, madame. Ça arrive en direct de notre bateau, du pêcheur au consommateur. Pas de supermarché, pas de rien entre deux. Alors, il n'y a plus d'aile de raie. Non, il n'y en avait que deux. Tant pis pour moi. C'est tout. Vous avez des sols, est-ce que vous avez des sols blondes? Il n'y en a qu'une. Il n'y en a plus non plus. Ah non, c'est pas qu'il n'y en a plus, c'est toute la pêche. Il est rentré ce matin pour le marché. Et malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Bon, avec... Comme d'hab en ce moment, hein, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est bon. Je prendrais bien quand même des maquereaux, moi. Combien de tonnes? Du cabillaud, il y en avait avant, là, il n'y en a plus. Ça fait quelques années déjà qu'il n'en a plus du cabillaud. Il y a des espèces qui disparaissent. Hein. Comme la sole, elle est en train de disparaître. Du carlé, c'est un poisson qu'on a à partir du mois de mai et au mois de décembre, on en pêchait. Au mois de décembre, on pêchait du carlé. Alors que d'habitude, on le voit mai, juin, juillet, août, là où il fait beau, quoi. Donc, ouais, il y a un changement, y a un changement climatique, c'est sûr et certain. Je te préviens, tu fais pas comme la semaine dernière, tu te tiens bien. D'accord? Merci. Viens, on va jouer. On va voir avec eux. Allez, prenez chacun votre ballon. Je vais dans les buts ou pas? Non, pour l'instant, attends, on va faire un peu de jonglage. Allez, chacun ballon. Écartez-vous bien sur le terrain, tout le monde, là. Oh, les gars, oh! Et t'as nos Marco, allez. Je vais pas passer mon temps comme ça à crier après vous, ça va me démarrer. Ah, ah dernière, il y aura de la bagarre avec papy et les petits enfants là. C'est qui? Noé Timéo là? Je pense, ouais. Jérémy, on voit qui a repris l'entraînement. Pourquoi il a maigri? Des cheveux? Ah ouais. Ah moi c'est pareil. Hey, regarde de loin, on voit que sa calvitie. Oh laissez-le donc. C'est pas de sa faute. Hein. C'est contrarié de la mer ça. Ah, son poupoune d'amour. Ton père il est pas assez fatigué de sa marée. Si on peut appeler ça une marée, moi j'appelle ça une balade. On s'est levé, faisait joueur. Vous avez été tester les moteurs là, non. Le soir, pronostic. Pronostic. 300 kilos de roussette. 250 kilos d'éponge. Allez Marco, allez. Allez Lino. J'ai pas peur. Non. Ah, y'a personne. Ici. Tire Noah, tire. Bien joué, la tête toi. Oh là 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 là, c'était beau. Allez, allez là. Ah, mais là, on change, ça marche. Tu dois te coller dans ton cahier, ça. Oh, merci, mes poissons. Oh là là, je franchement, t'as du temps. Mais regarde tous tes feuilles, ils sont carnés et tout. T'es pas soigneuse pour une fille. Bah toi aussi. Hein? Toi aussi. Mais moi j'ai plus à l'école, moi j'ai fini l'école. Moi. Oh non, mais c'est cool. Ouais, c'est cool, ouais. Carrément cool, hein. Tambour. Fa. Ça a deux syllabes, non? Non, quatre. Tant, ti, tant. Ouais, non, c'est pas les lettres. Attends, mais là, je peux même pas faire ça. D'habitude. J'ai compris. J'ai compris, je suis trop fort. Je suis trop fort. Je suis meilleur joueur. Tu fais pas crayon de bois, t'es de voir, toi? Bah non, je suis là. Ouais, toi, t'es avant. Tu fais jamais d'erreur, toi? Écoute l'énoncé.
entoure le... Mais je le sais, Chimio, c'est pas le problème. Mais si, admettons, tu te trompes, là, tu vois, ah, tu vas faire comment? Entourer le groupe verbal. Écrire les mots sous la bonne image. Une amandine, la manche. C'est okay. Ma barrée pour avoir la licence. Il n'y a aucun défilé UR de moins de 12 mètres. Alors que quoi, Carco a donné 30-40 licences, il ne faut pas exagérer. On n'est plus qu'à 20 bateaux. Moi, ça fait 38 ans, j'ai toujours été trahi là-bas. On nous disait à nous qu'on prouve qu'on a été trahi là-bas. On sortait de Boulogne, on y est dans les Anglais. Les Anglais, ils sont quand même pas dupes. Ils savent bien que s'il y avait bien quelqu'un qui était légitime dans la licence, c'est bien les bateaux de Boulogne. Ouais, mais pourquoi il y avait une raison, pourquoi ils veulent pas nous le donner à nous? Je sais pas, il n'est pas mis au lieu qui a dit qu'il faut les éliminer, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, Sandrine? Comme hier? Hein? Comme hier? De quoi? Comme hier. Le monde. Pourquoi les appeler? Parce que ça dénature. Oh, les accros. Par rapport à notre confinement, il y a moins de monde quand même. Par rapport au confinement, il n'y a plus personne. Ouais. Bah, après, les gens, ils comprennent pas. Avec la restriction des 10 km, ils comprennent pas qu'ils peuvent quand même venir, en fait, ouais, sur le quai, ouais. Même s'ils habitent plus loin, parce que c'est alimentaire, ils ont le droit de faire des courses. Oh, sur le sang, ouais, cette semaine. C'est non, parce qu'en fait, t'as moins de restrictions de sortie, aussi. Mais t'as moins de monde quand même. C'est parce qu'en fait, tout le monde, il sait pas... De toute façon, déjà, on le sentait par rapport... on avait plus les Belges, on avait plus les Parisiens, les gens du Nord, tout ça, on les a plus, donc... C'est sûr que nous, ça fait partie de notre clientèle aussi, tous les étrangers, ça fait clair. Beaucoup aussi. Oh, sur le sang. Les crabes, vous en avez pas? Hello, les crabes, non, il n'y en a pas. Tous les bateaux sont à sol en ce moment. Vous l'aimez pas, chez mes parents? Bonjour monsieur, on arrive au caisson pour rentrer à Grand-Bête à cette place, s'il vous plaît. Tout à fait, vous pouvez y aller. Ok, je vous remercie, bonne journée à vous. Des fois, vous dites, j'aurais préféré qu'ils fassent autre chose. Quand ils ont commencé à trahir, on était quoi, dans les très bonnes époques. Aujourd'hui, les encourager, c'est... On les soutient. Mais si demain il vendait son bateau, puis qu'il repartait à zéro, puis qu'il me disait ben Po, j'ai trouvé une bonne place, forcément que je serais content parce qu'il serait libéré de tous ses soucis. J'ai 38 ans d'expérience, je peux pas lui dire ben t'es vraiment pour ça, ça va aller. J'ose même plus rien lui dire parce que c'est. On n'a plus de réponse à leur donner, quoi.
Ça va les copains? Les Allemands. Bonjour, monsieur Lorraine. Il est où hein? Il est là, il arrive. Ah, il est là-bas. Okay. Je vous donne le plumeau, il est là. Ok. Moi, je suis à la retraite, moi. Et quand Jérémy rentre, moi, je voulais lui donner un coup de main pour finir le travail. T'es bien ou non? Non, non, c'est nul. C'est nul? Oh, ouais. Merde. Ça, on va dire, c'est que le poisson qui vaut un peu d'argent. Il y a que ça. Les sols de mer. Ben, quelques sols. Ça, les tacos, ça ne vaut rien. Et quelques crabes. Quelques crabes. Et tout ça, tout le restant, regardez, c'est toute la roussette qui vaut à peu près 20 centimes. 20 centimes le kilo, ouais. On peut pas les manger. On peut la manger, ouais. Mais c'est pas. Comment? Oui, les gens n'aiment les pas. Les gens n'aiment pas, non, mais c'est, puis le poisson, il n'est pas valorisé, les gens ne connaissent pas. Là, c'est du travail à perte. Oui, vous perdez de l'argent chaque jour. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la raison est quoi? Une majeure partie, c'est que si vous voulez, comme depuis le début de l'année, on ne peut plus travailler dans les zones anglaises, la zone s'est vidée plus vite parce que les bateaux, on ne peut pas s'éparpiller dans nos zones traditionnelles. Toute cette partie-là, on ne peut plus travailler. Donc on n'a plus que cette petite bande-là. Oh là là, mais c'est presque rien. Bah non, c'est rien, c'est la moitié. Et c'est incroyable. Oui, ça semble vraiment comme une grande injustice. Parce que... carrément. Salut, Quentin. Salut. Je vais les déposer, je reviens. D'accord. À tout à l'heure. À tout à faut en livrer un peu. Fais 10. Attends, gardez pour le marché. D'accord, combien de temps d'école, Lomos? Là, je vais passer en première, CGM, donc il me reste 2 ans d'école. Quoi, tu fais un CAP, tu fais quoi? Là, je fais mon capitaine 500. Capitaine 500? Va ton capitaine 500, puis après, tu auras les opportunités que ça va te faire. Ton capitaine 500, après, tu fais ton chef de carte, tu vas à Brest à l'école, t'auras plus. Il y a qu'un capitaine 500, tu vas au commerce ou tu vas tout partout, mais. Sur la pêche. Ici, à Boulogne, tant que la pêche reste comme ça, moi, je te donne un conseil, c'est pas faire la pêche. En plein de débouchés. Parce que là, par l'instant, la pêche n'est pas la mienne. C'est compliqué. Après, ça peut vite revenir aussi. Ça peut. D'un seul coup, l'année prochaine, tu peux avoir des sols comme il y a 20 ans. Ça va revenir un jour. Il faut espérer quand même. Ça peut... La pêche électrique, elle est arrêtée tout seul. Il faut attendre que le stock il se régénère peut-être un peu. Peut-être qu'il y aura un an ou deux à souffrir. Et puis, peut-être que dans 5-6 ans, ça sera comme avant. T'as vu comment ça creuse? On passe avec son... T'as pas à faire attention. Du coup, j'ai pas besoin des clés.
90. Ah, c'est ça. 19 fois. Donc. Tu fais ta table normale. Là, tu mets un bout de bâtin là. Un bout de bâtin là. Ton échelle poncée comme ça. Ouais. Je suis pas au balier. Tu veux que je te l'installe? Avec les planches, je vais te l'installer. Et je l'ai caché exprès pour pas qu'on me la vole, l'échelle. Vas-y, tiens, gars. Ah, tu vas carrément me monter la table au sol, là. Hop. Prends celle-là. Faut que tu visualises aussi. Tu vas pas me dire que ça t'aspire. Reste là. Ok, chef. T'es pas obligé de me regarder de travers, de m'impressionner, par contre, je le fais. Moi, ton idée, elle me... Attention. T'as parfois des bonnes idées, Jérémy, mais je pense que tu t'égares. Mais non. On va regarder si ça fait bien. 18. 18. 120. Regarde, coupé, comme ça. Bien foncé, tout ça, la même couleur. Et puis là, au milieu, ça, tu mets une vitre. Oui. Bah, moi, je trouve que ça serait belle, la table, non? C'est particulier. Bah, c'est normal, tu te projettes pas, là. Tu te projettes pas. Comme ça, on en a déjà pareil, on fait un beau truc par terre de fleurs avec des belles plantes, un gravier bleu, un truc comme ça aussi, un beau truc. Ça, on va pas mettre un bardage, on va les peindre. Mais là, tu peux en faire attirer, ça, c'est de la fibre, c'est pas bon. Enfin, refaire un mur. Il est calé, non? Pourquoi il fait du Velux? Non, c'est comme ça, là, celui de la charpente. Ouais, enfin, tout ça avant le mois de mai, j'y crois pas. Hein. Bah, si, ça va vite. Ça va vite? Oui, le mois de mai, ça va aller tout seul. Ça laisse pas, toi. Quand tu travailles et puis que tu as fait un projet de famille et puis que tu as acheté une maison, tu voulais vivre dedans avec tout le monde et puis que dans cette période-là, il y a eu une petite croche, ben, tu le vis pas très bien. Parce que tu es obligé de retourner chez tes beaux-parents avec tes enfants et puis expliquer aux enfants pourquoi ben, on n'a pas fini la maison, c'est toujours compliqué. Quoi. Tu t'en mets quand même un petit coup dans le moral. Était pêcheur, mon oncle était pêcheur, mon frère était pêcheur, moi, mais pas mon fils. Je ferai tout pour qu'il le fasse. Il va foncer dans un mur. Bon, c'est bon, je peux ouvrir mes cadeaux. Alors, moi, je mets mes lunettes, parce que vous voulez. Un chèque pour partir aux îles Tahiti. Oh, c'est trop gentil, si tu as, merci. Ah, c'est Jade, c'est ma petite fille. Ah, c'est Jérémy, il t'es le roi de la grappe, toi. Joyeux anniversaire, papy, je t'aime. C'est beau, hein? Des petits gâteaux par son papy. Ah, il a mis tout son cœur, hein, papy. Ah, l'enveloppe à Jérémy, fabriquée par ses soins. Ça peut agrafer le billet, j'espère. Non. Si, j'ai agrafé. C'est un billet d'avion. T'as pas payé un voyage à ton père. C'est un chicken mix. Oh là 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 là. Un beau cadeau. Ma papy, il joue à l'envers aussi. Ouais, je suis là comme ça, bien. Oh, trop petit. Ah ouais.
Le vent, tu passes quoi. On a même pas. Bon, allez, merci à tous. Bonne année, bonne santé. Allez, vous pouvez repartir chez vous, c'est bon. Mais papy, il va le mettre tout le mot. Parce qu'avant, il mettait dans le bateau. Mais là, il va les mettre tous les mots. Non, j'ai une petite place. Non, papy, il sera ramassé tous les petits mots d'amour. C'est bon, vous me faites. C'est pas toi, papy. Et où, pas toi, papy? J'ai pas vu l'heure, moi. Bon, c'est bon niveau. Bon niveau, il est à sa maison. Bon niveau. C'est l'un des plus gros bateaux de pêche du monde. Le Margiris, un mastodonte néerlandais de 143 mètres. Il sillonne actuellement la Manche à la recherche de poissons et ses prises sont impressionnantes. Jusqu'à 250 tonnes par jour, le Margiris n'est pas un cas isolé. D'autres bateaux gigantesques viennent s'approvisionner entre la France et l'Angleterre pour amener leur pêche dans d'autres pays comme la Hollande ou l'Allemagne. Pour les syndicats, c'est insupportable. 250 tonnes de poissons par jour. 250 tonnes, c'est ce que pêchent 5 fileyeurs ici à Boulogne-sur-Mer sur l'année. Par jour et toi que t'es malheureux 50 tonnes par an, tu fais pas le point. Hein. Moi c'est que j'y vis de la mer. Hein. Payer notre équipage correctement, pour payer notre aide de bateau, notre aide de moteur, parce que nous, on a un prêt pour les moteurs, vu qu'on avait cassé les moteurs. Donc ça, c'est un prêt qui s'est ajouté. Pour payer notre matériel de pêche, pour payer nos énigmes, nos URSAF, toutes les factures en course, l'assurance du bateau. Donc pour nous, pour que notre bateau soit viable, il faut faire 40 000 euros par mois. Et là, on est à 6 000 euros. On travaille, on s'endette. Ouais, chef, après on peut marquer trop, on peut marquer pilote automatique aussi, on n'est pas obligé de marquer tout. Monocoque. Troisième, ouais. Il fait pas 5. 97. Vitesse 13, 14 nœuds. Kilowatt 213. Mmh. Remplacé, aucune. Non. Vendeur. Je mets ton numéro. Bon, oui, tant qu'à faire. Nommé, alors. Jérémy. C'est à la mer. C'est bon, parti. Envoyé. 700 000 euros, prix de l'endettement, quoi.
Bah, c'est pris loin, c'est pas évident. Donc, quand tu vois le nombre de bateaux qu'il y a sur le marché. Tomber vraiment sur quelqu'un qui en a besoin. Donc, il arrive une tuile avec son bateau, mais qui veut vraiment passer à autre chose. Et puis qu'il y a tous les paramètres pour le sortir en région, parce qu'ici, dans ce temps-ci, il ne sera pas vendu, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de. Il n'y a rien, il n'y a pas de perspective à l'horizon, il n'y a rien du tout, tu n'entends plus parler de rien. Tu n'as même pas de nouvelles par les licences, il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge. Les gens, ils font des traités européens, et toi, si tu dépasses. L'Europe, elle fait des lois, si tu dépasses la loi, tu as un procès, l'Angleterre, ne donne pas des licences, ils n'ont pas le droit, mais il n'y a personne qui dit rien. C'est pour nous, de plus qu'on va faire changer la face du monde. C'est tout. On n'a pas trop le choix. Hein. C'est par obligation. C'est par obligation et survie. Donc, c'est par continuer. Puis s'endetter de plus en plus, c'est pas la peine. Au bout d'un moment, on n'arrivera plus à rien faire. Puis on se retrouvera dans la merde. Mais c'est tout, l'investissement. L'investissement, il est trop loin. Thank you.
Johanna, t'as vu les beaux tabliers qu'on va avoir? T'es ma part connue, Jennifer Lopez. C'est nouveau le tablier? C'est comité. C'est pour valoriser la pêche boulonnaise. Oui, bonjour, monsieur Millet. Ouais, je vous appelais, en fait, pour avoir un peu de nouvelles, là, pour la vente du bateau. Donc... Ben, j'ai pas beaucoup de nouvelles à vous apporter. Pour l'instant, c'est vrai que le marché, il est pas très porteur et très demandeur. Oui. Je pense que le contexte actuel, avec l'accès à la ressource, ne facilite pas les choses. On sait très bien, il y a des bateaux à Boulogne, ils sont en vente depuis 2-3 ans, puis ça bouge pas. Hein. Complètement, oui. Ils étaient il y a 10 ans, à la rigueur, on venait taper chez toi pour voir si tu vendais pas ton bateau. C'est parce que. Ça. La situation était très bonne, là, le secteur il est en crise, c'est tout. Puis bon, apparemment, là, c'est les filières, les chalutiers, ça commence à être même, à peu près la même. Ils commencent à suivre notre chemin, en espérant que ça ne va pas finir pareil. Tout n'est pas focalisé sur la vente, hein. C'est focalisé d'abord sur le travail, et puis bah, on continue comme si de rien n'était. Le barbecue. Allô les copains. Ça va, ça fait du plaisir de voir tout le monde mobilisé comme ça. Ouais, c'est bien, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le même combo. Ouais. Aujourd'hui, c'est un coup de semonce pour montrer qu'on est capable de nouveau de se réunir. 2013, ça a été les chalutiers qui ont souffert. Les chalutiers ont dû casser des navires. Après nous, ça a été en 2017, ça a été lié à la pêche électrique. Et aujourd'hui, le coup près pour les chalutiers, pour les coquillards, pour les filayeurs, c'est justement cette interdiction d'aller travailler dans les eaux anglaises. Et on le sait tous, ça représente 80% du chiffre d'affaires qui s'en va. La belle promesse qu'on nous a fait le 1er janvier, aujourd'hui, c'est devenu un mensonge. Parce que moi, j'étais présent quand il y a les ministres qui sont venus nous rencontrer à la CAP pour nous dire que c'était l'espace de quelques jours. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plutôt l'espace de quelques mois. Et on n'a pas la certitude demain d'avoir ces licences pour travailler. Forbidden to come with British fish because we are waiting for a British license to fish in the British water, but for us it's moment forbidden. Les petits bateaux comme nous, on est cantonnés, rester là devant. On n'est pas équipé pour ça, puis on n'a pas signé pour ça non plus. Hein, là-bas, on est des petits pêcheurs artisans. On part 8-10 heures, on rentre chez nous. Quoi. Oui. Moi franchement, ça me fait chier d'être là. On me pose plein de questions là. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai investi dans un plus petit bateau il y a 3 ans. J'avais un plus gros, j'ai repris un plus petit justement pour réduire un peu. J'ai viré du personnel, j'ai réduit mes frais au niveau du matériel. Et même en faisant ça, on vend tout en vente directe, on fait que du circuit court. Et même en faisant ça, franchement, on crève la dalle. T'as pas fait de loto? Non. Mmh.
Alors, comment ça va? Comment ça va? Ben, ça va pas bien. Ouais. Ben non, ça va pas. La pêche, ça donne quoi? La pêche, c'est catastrophique, la pêche. Là, vous sortez quand même en ce moment? Ben, là, on n'a pas sorti, non, avec le temps, et puis ben, les pêches. Essayer de limiter les frais. Ouais. Comme il n'y a plus beaucoup de sous sur le compte. Comme le gasoil, il est cher, tout. Non, là, ça commence à devenir critique. Là. Et c'est pour ça, justement, là, vous parliez d'être à jour des charges. On est à jour aujourd'hui ou pas? Non, je pense pas. Non, non, il y a tous les mois le 700 euros, puis il y a les 2000. Je vais te ramener. Là, si les charges ne sont pas payées, si vous, reçoit, bah, vous savez, de toute façon, ça marche. De toute façon, c'est fait pareil. Ah, mais la problématique, en fait, c'est que si on ne paye pas les salaires, bah, il n'y a plus, ouais, personne sur le bateau. Si on ne paye pas le prélèvement essence, ouais, il n'y a plus d'essence pour aller bosser. Ouais. Donc l'assurance, on est obligé de payer l'essence. Il n'est plus assuré, là, le bateau. Hein. Donc, si on ne paye pas l'assurance, vous n'êtes pas assuré pour le bateau, c'est inconcevable. Vous continuez dans la mesure du possible, vous continuez à l'aider. Que ça se monte pas des milliers de décembre, alors après vous travaillez, vous avez des bases de travail quand même d'argent entre guillemets qui vont rentrer. Après c'est sûr qu'à un moment vous n'êtes pas l'abbé Pierre non plus, on s'en doute bien. Non, bah, de toute façon on le sait très bien. Ouais, c'est pas que vous derrière vous. Comme je vous ai parlé aussi pour un découvert aussi, est-ce que franchement vous nous assassinez en frais? Ouais, bah ça c'est pas normal. Après, non plus, comme je vous ai dit au téléphone que les deux crédits ils passent pas, bah, que vous prenez 10% de frais dessus, je suis d'accord avec vous. Bah, après c'est plutôt sur le roulement des autres trucs. Pour des lettres que. Tant que les sous ils soient crédités sur le compte et puis que ça passe, ben ça, à chaque fois je suis assassiné par les frais. Ça, si vous, on a compté, on a au moins facilement au minimum 700-800 euros de frais par semaine. Par semaine, les poiriers, les relogés, les franchement. 800 euros de frais par semaine, ça fait 8 000. Il y a au moins 2000 euros de par mois. Oh, ben, vous pouvez regarder, on a déjà regardé, franchement aussi. Il peut y avoir des frais de régul par rapport aux échéances de prêt, lorsque il est possible. Non, mais tous les lettres de rejet, tout ça. Ça coûte des sous, monsieur Tim, vous savez bien. Ouais, ouais, faudrait peut-être y mettre un petit découvert en place, de toute façon, ça ne changera rien. Au moins, il n'y a pas de frais dessus. Quoi. Et après, là, c'est récemment, c'était il y a 2-3 jours, on a une nouvelle saisie de la trésorerie, 1600 euros, qui n'a pas pu être pris, hein, il n'y a pas les fonds. Donc, forcément. Quoi? La trésorerie Boulogne-sur-Mer. Moi, je n'ai pas le détail de ce que c'est. Bah, moi non plus, je n'ai pas de saisie de 1600 euros. Je n'ai pas eu de courrier de. C'est-à-dire, c'est pas un courrier, bonne idée. Ah non, j'ai courrier, je les ai tous à la maison. Ouais, vérifiez, mais il y en a eu de 1600. Puis, troisième point, le bateau, on l'a mis à la vente aussi, hein, vous le savez. C'est votre option en premier? Oh, ouais. Ma première option, c'est de le vendre. Déjà, pour être tranquille, mais essayer de limiter la casse. Avant qu'il soit parti. Quoi. Vous avez des pistes? Il y a quelqu'un qui vous a contacté? Non, bah là, on l'a mis chez Lambeau. Apparemment, il y avait un gars du Sud qui était très intéressé parce qu'il dit que le bateau, bah, vous tournez la clé, vous partez, tout est neuf. Hein. Il y a eu 220 000 euros de travaux dessus, donc c'est pas rien quand même. Quoi. Ouais. Donc après, il faut qu'on ouvre tous les portes. Hein. De toute façon, on ne peut pas se contenter d'attendre. Et puis, que vous êtes là, c'est vous qui avez le ciseau, genre que vous allez couper la corde, on fait quoi? Recommandé. Des trésors publics, des huissiers, des recommandés, des huissiers, des huissiers. Les assurances voitures, les assurances camions. Les mutuelles des enfants. On leur dit, hein, dès qu'on a de l'argent, on vous paye, mais on peut pas, on n'a pas d'argent. Bien, au cas où on n'aurait pas compris et qu'on ne saurait pas qu'on est dans une situation critique, on envoie tous les jours le même courrier. Ils viennent même sur notre lieu de travail. Mais bon, c'est quoi la solution? On fait quoi? On arrête? Il sait même pas que le dimanche, il est obligé de demander à son père sa carte bleue pour faire de l'essence dans son camion. Il peut même pas se rendre sur son lieu de travail. Là, on est arrivé à un point où ben, on peut même plus nourrir nos enfants. Si on n'a pas de parents, ben on devient SDF, c'est malheureux, mais si on en est là, parce qu'on est hébergé chez nos parents, un coup chez notre mère, un coup chez notre père, on a dépensé toutes les économies de nos parents, parce que ben ils vont pas nous laisser, mais au bout d'un moment, ben faut que ça cesse, quoi. Parce qu'eux aussi, ils ont travaillé pour mettre de l'argent de côté. Et puis, ben on est obligé tout le temps, tu peux me faire de l'essence, tu peux me donner des sous pour que je donne à manger aux enfants. Voilà, on en est là, et pourtant, on travaille. Moi, je vois Jérémy par la mer, il part à la mer, il prend deux boîtes de Gaviscon tellement qu'il ne peut plus de son estomac. Il part travailler, il a envie de vomir.
Pourtant, c'était un passionné. C'est des marins pêcheurs de père en fils. Hein. C'était un passionné. Mais là, tout le dégoûte. Si ça continue, de toute façon, ça se compte en histoire de quelques mois. Hein. Ben, ils prendront le bateau. On devra payer. Ils prendront notre maison. Ils prendront tout. On a passé 2 ans à rénover une maison. On n'aura même peut-être même pas la chance d'y habiter dedans. Heureux d'être avec vous en cette fête de Notre-Dame de Boulogne, en cette procession des marins. Nous prions pour les disparus, mais aussi pour le monde de la pêche, pour le monde maritime, très durement éprouvé actuellement. Nous les portons vraiment dans notre prière, dans notre espérance. Okay, right, so we're going to go.